sur Octodad épisode 4. Oui, vous allez me dire, mais Kevin, ça fait du temps que t'as plus fait des vidéos comme ça. Oui, je sais, parce que non seulement il y avait eu les cours, voilà, et vous allez me dire, ça va bientôt faire presque une semaine. Ça va bientôt faire une semaine que les vacances d'été ont commencé en Suisse. Oui, enfin, dans le compte de vous, je sais, mais le truc, c'est que j'avais eu, genre, des petits problèmes en gros. Quand j'avais une mini vidéo, mais j'étais pas sûr, ça elle va plaire aux gens. Même quand je regardais les rushs, de la vidéo que j'avais fait, je me disais, ok, je parie que personne va aimer. Voilà, vous comprenez? Donc, faut me comprendre, mesdames et messieurs. Après, vous allez me dire pourquoi on va pas voir mon visage sur cette vidéo. Le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé un moyen, vous voyez, genre, de relier. Imaginons, voilà, donc là, je finis avec ma tablette, donc il y aura pas ma tête pour l'instant. À moins que je trouve, genre, un moyen. À moins que j'achète le jeu sur la PlayStation ainsi que le jeu South Park, l'anal du dessin, comme ça je pourrais faire filmer en même temps que je me filmer la tête en même temps que je joue. Donc, au fait, merci, je tiens à remercier pour les 44 abonnés. Voilà, merci, je compte atteindre les 50 et après je vais faire une vidéo de remerciement ainsi que 5 choses sur moi ou 5-10 choses. Voilà. Ah oui, et aussi mon compte Instagram sera dans la vidéo, ainsi que Twitter, TikTok. La chaîne YouTube que j'avais avec Pussycraft sera aussi dans la description, ainsi que sa chaîne YouTube. Hein, voilà. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Ok. Home to many strange and mysterious creatures. Bear witness to their world. Oh. Daddy? Is that you? I'm lost! How do I get out of here? C'est pas assez bon là pour avancer. Désolé pour le petit. Bon, ah pardon, ma fille. Ok, donc je pense que le titre de CVE ce sera genre, retour aux origines. Ouais. Ouais, parce que là on peut voir genre les origines d'Octodad. Putain, je vois rien. Ce qui est fait les gars, c'est que là je vois rien. Ok, non, un petit peu là. Voilà. Ah, enfin non. Là on voit pas trop sur la tablette, excusez-moi. Bon, excusez-moi, comme d'habitude, pour la lumière, c'est pas excellente. Ok, je crois que ça se voit bien. C'est un jeu de danse. Ouais, vraiment, ça fait un bon bouton, j'ai toujours au jeu. Hein. Donc là j'ai presque tout oublié. Ok, donc là. Ok. Allez, prochain truc. Voilà. Oh merde. Putain, merde. Vas-y, come on. Yes, j'ai réussi. Premier coup. Ok, ok, donc là c'est pour prendre la lanterne, c'est bien compris. Allez, voilà. Hey, allume-toi, bordel. Ah, enfin. Ok, un petit escalator. Wouhou. Regarde-moi, ma fille. Aïe, sa mère. Ouh, joli. Oh, merde. Ma fille, je crois que je me suis en difficulté dans ta. Oh. Oh putain, hey, t'arrêtes. Oh. Elle a fini là. Et voilà. Ok. Putain les gars, je vois rien. Ah, oh, c'est quoi ce monstre? Putain. Les gars, ça va être un labyrinthe, croyez.
Mais t'arrêtes de... Hey, si je pars à cause de toi, la vie de ma mère, tu vas prendre une claque, putain. Oh! Non, mais c'est quoi ces manières là? Je suis ton père, hein. Putain, allez, change ma petite soeur. C'est quoi ça? Merde, fuck. That was the majestic hall of jellyfish. Were you in trance? I bet you were. Ok, où nous sommes? Ah oui, un monstre. Eh, je parie que les gars, ils ont fait exprès de faire. Juste, je parie qu'ils ont fait. C'est quoi? Pourquoi il y a... Bon, attends. Chérie, suis-moi. C'est quoi ça? Ah, merci. Ok, des trucs avec des couleurs. Ok, donc je pense que toi, tu vas aller. Non, non. Allez, premier truc, c'est bon. Maintenance. Ma fille, tu peux m'éclairer. Merci. Ça, ça va? Ah non, 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 pas ça. Voilà, un vrai casse-tête, ce truc. Aïe. Et deux. Allez. Oh, lumière. Ah, j'ai même pas besoin, c'est bon. Et le dernier, hop là. Vraiment, ils ont des tentacules extensibles à fond, quoi. Mais merde. Ah. Maintenant. Mais non, putain. Voilà. Et dire qu'ils nous disent d'habitude toujours de pas mes pieds, mais mon. Mais je m'en bats les couilles, moi. Ok, donc j'imagine à tous les coups, genre il faudra orienter ça là. Ça c'est bon. Tiens, vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, j'avais parlé du fait qu'en gros il y a des cravates un peu calées dans chaque niveau là. Et à chaque fois, il faut. Ouais, il doit un peu les déverrouiller. Regarde un peu. Oula. Oh les bâtards, mais non. Mais non. Oh les bâtards. Eh, c'est fou, ils ont vraiment fait ça. Ok, qu'est-ce que tu as, papa? Ok, je pense que ça, je vais marquer. Bon, allez. Bon, là, ce sera peut-être. Allez, comment. Allez, hop là. Hop là. T'as vraiment fait. Encore? Allez, comment. Allez, go. Allez, 1, 2, 3. Vive l'octopus! Moi je dis ça. Hop là! Oh, c'est fatiguant pour un coup. Ah, donc gueuler, c'est bon là. Ouh, mission terminée! Victory! Bon, et pour l'image du tentacule là, on va voir ça va un petit peu, ouais, c'est peut-être un peu clair. Ouf!
Trop bas. C'est bon, allez, trouvez Tommy et Scarlett. Ah oui, parce que vous avez pas dit en gros, parce que j'ai fait un petit bourrage pour commencer à zéro. Donc, je finis un truc et je reviens, ok? A tout à l'heure les potos. Recoucou les potes. Donc là, j'ai, voyez, oui, en gros, j'ai réussi, je suis revenu au moment où je devais être. Voilà, hein. Donc là, on a fini les trois niveaux. Donc là, on doit retrouver, je crois, Scarlett, ça, ouais. Ok, on a passé par le employee room. Oui, rejoignez Scarlett au-dessus de l'aquarium. Grâce à lui. Donc, je pense, les gars, voyez, genre, je pense que le titre de la vidéo, ce sera, voyez, genre, retour aux origines, montrer ça, genre, les origines de ce qui s'est passé, ou retour aux origines. Je sais pas encore je pourrais choisir le titre. Ok, donc là, on va dans la salle des employés, à ce que je peux comprendre. Comme c'était marqué employé, réservé, ou autre comme ça. Allez, une, deux. Et ben voilà, j'ai dit. Pourquoi il y a plein de bottes de caoutchouc? Oh, ça dit quoi ça? Showtime, ok, le show. Please be patient. En gros, il y a 10h, à 1h, il y a 4h. Oh, a... Scarlett! Chérie! Tu es tombé dans mon piège. Et merde. What's in you, il est à poil. Ah non, hein. Ah non. Alors dis-moi le poulpe. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, le pauvre, il fait comme ça. Hop là, allez, vas-y, dégage. Goodbye, Octopus. I'll tell your family. Je vais annoncer la triste nouvelle à ta famille. Hein, ils vont dire ça à Scarlett et aux enfants. Ok, donc là... Ah ouais. Comme quoi... Ok, donc là... On va voir. L'ange... Donc là, je pense qu'on va encore faire, je crois, un autre niveau. Je m'en fiche, c'est quoi? Ah ouais, je crois que c'est le niveau, il va sur un bateau où je crois le niveau, il rencontre Scarlett, je sais pas du quoi, j'ai oublié. Là, je crois que c'est, genre un rêve ou un souvenir, par exemple, le moment où il a rencontré Scarlett, je crois, je sais plus. Putain, mec, ça se voit qu'il est pas habitué, attends, calme-le. À poil. De quoi? Entrer sans faire voir. Comment il veut que je fasse ça? Putain, j'ai pas eu peur griller là. Waouh! C'est quoi ce monstre marin? Joe keeps me up that extra 17 hours. Okay. Hey, where'd my coffee go? Alors, enfin, il a une... Oula. Oh, ça glisse! C'est si glisse. Hop là! Our net profit went up. Oh no. What? Bon, un peu, j'ai tombé à l'eau. I hope I don't see any options. Okay. Oh,
sight and that song's gonna be stuck in me as for years. Oh, c'est une clé. Et il est en train de l'opéra, lui. Putain, tiens, moi, sous la douche, en train de chanter de l'opéra. Pardonnez-moi pour ce tir. Bonjour. Attention, ça glisse. Merci pour le... Oh, qu'est-ce que ça se passe en fait? Oui, elle est là. Wouh! Ça glisse dehors et dedans aussi, hein, regarde. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec les bottes. Et tu sais quoi, j'ai envie de voir ce qui... si on peut mettre sur les bottes, c'est cool. On peut mettre les bottes ou pas? Je vais mettre les bottes. Ah, merde. Moi je veux. Les gars, imaginez un jour vous croisez un mec comme ça. Croyez-moi, moi je. Hey, new guy! You aren't going anywhere till the deck is swabbed and the anchor's hoisted. Tu vas voir. Ah putain, je dois renouveler le pont. Mais mec, je vois, je dois. À base m'échapper, je suis pas là. Ouais, une vitesse ménagère. Bon, on pense ça va. Hop là. Au moins il y a un avantage parce que comme ça glisse, regardez. Et en plus c'est instantané quoi. Putain, commence. Nantes, bouteille. Oh putain lui. Oh lui c'est un copain mon père. Hein. Non non je rigole. Bon certes c'est vrai qu'il est dur à. Attends. On va juste aider un peu à nettoyer quand même. C'est-à-dire je me suis occupé de l'encre, mais quand même, c'est la moindre de politesse. Hey. Allez, on ça. Hop là. En plus, c'est un peu du macro, hein. Voilà. Ah, c'est bon. Ok, on va rejoindre. Non, c'est quoi? Oh, y'a le cuisine, y'a le cuistot. Oh, c'est quoi ça? Attends, mais c'est... Oh, les gars, regardez ça! Oh, ah, mais en fait, j'ai compris! Le mec qui prend ça depuis tout à l'heure, c'est le capitaine! Bonjour, ça va? Bon. Il y a une tableau là! Bon, je vais conduire le bateau, hein. Putain, j'avais pas... Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait le cuistot qui faisait partie de là. Peut-être c'est à ce moment-là, genre qu'il a su qu'en fait c'était genre l'octopidale, le fou. Ok, allez, on va conduire le bateau. Merci, mon gars. Ok, qu'est-ce qui est pourquoi? I heard he's a real piece of work. I asked him for seconds and he threw a pineapple at me. Well, I asked him for pineapples and he made me a stomach. We're moving again. On bouge, ça y est. Louis soit Poséidon, quoi? Maintenant, à quoi ça sert ça? Ah!
Pardoname. Qui est cette? Oh. Ah, je m'excuse. Ah bon? Alors nous sommes les deux. Et vas-y, prends-nous. On peut dire qu'on fait la paire. Eh merde! Bonjour! Oh, c'est Jean-Michel Labrique! Je trouve qu'on. Vous avez changé, capitaine. Non, mais par contre, c'est quoi ce pif? C'est Jean-Michel Labrique! C'est un maçon, lui! Oh oh! Yahoo! Quoi? Danse! Danser à J, quoi? Putain, pourquoi je pas. J'aurais bien aimé. Ah, en fait, c'est pour voir si je suis capitaine. Mais c'est quoi ça, un autre chien? C'est ça? Vous n'êtes pas le capitaine, mais je m'en bats les couilles! Eh, le gros costaud! Attends un peu, toi. Oh, j'ai compris. Heureusement qu'elle a pas entendu, parce que sinon je serais foutu, moi. Attends, si, c'est quoi un autre chien, là, hein? Tu m'étonnes, j'ai pas réussi à trouver. Je parais qu'il y a qu'un marin qui a le jeu. J'aurais pu trouver la réponse. Un autre chien, c'est quoi? Non, mais quand même. Et merde, en termes de péché, parce que là... Oh, yo, je viens juste... Et tu passes à l'eau, yahoo! Et elle n'y revient pas! Je te rouvrai, maudit poulpe! Je te retrouverai! Et hop là, une petite bouille! Et vas-y, et amusant! Bon, si vous voulez. Oh, ça sent, la petite danse là! Oh oui, danser. Come on. Oh oui, leur première danse. C'était... Et pourquoi lui? Et pourquoi ce mec? Allez, tchou. Allez, dégage, Jean-Michel Labrique. Oh. C'est mignon. Oh, c'est mignon. Oh, les deux gens. Oh, ils sont comme ça. Oh. Vous pouvez peut-être pas le voir, mais je suis ému là. La vie de ma mère, je suis ému. Oh, oh, c'est quoi ce niveau? Eh bien, en tout cas, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Attends, on va sûrement me faire une petite sauvegarde. Hein. Charger le point 2. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager avec vos potes. Merci pour les 44 abonnés. Rappelez-vous, aux 50, je fais une vidéo 5 ou 10 choses sur moi. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je crois, en début, mon compte Instagram, Twitter, TikTok seront dans la description, ainsi que le compte, en gros, notre chaîne YouTube avec Pousticraft. J'espère que vous aimez. Et vous aimez. Boubara, boubara, je vous aime, j'entends ma maison.